Va-t-on vers une nouvelle guerre du gaz entre la Russie et l'Ukraine? Peut-être. En tout cas, on a l'impression d'avoir déjà vécu en 2009 le scénario qui suit. Les livraisons de gaz russe à l'Autriche et à la Slovaquie ont brutalement baissé de 30% jeudi dernier et de 20% pour l'Italie. C'est ce qu'affirme la Commission de Bruxelles. Le géant Gazprom a réduit ses livraisons de gaz à l'Union européenne en raison des besoins accrus en Russie à cause du froid, ajoute Bruxelles. Mais pour le fournisseur, le russe Gazprom, l'Ukraine, par où transite le gaz russe vers l'Europe occidentale, prélève un volume de gaz beaucoup plus important que celui autorisé par les contrats signés. « Nous ne sommes pas des voleurs », rétorque Naftogaz, le distributeur ukrainien.